Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver au pré, mais là je suis dans la voiture qui n'est toujours pas la mienne au passage. D'ailleurs, je dois bientôt la rendre, hein, cette petite voiture. Bref, finalement elle était cool, hein, j'ai beaucoup râlé sur Instagram, mais on s'y fait. Pourquoi je vous raconte tout ça, je n'en sais rien. Donc là je viens d'arriver, il est midi 10 parce que je compte aller monter Saphir à l'écurie. Et bah, vu que je n'ai toujours pas ma voiture, je ne peux toujours pas tracter, donc je ne peux toujours pas faire des choses bien folles. Donc c'est soit balade autour du pré, soit écurie à cheval. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je me suis commandé une petite pizza qui est juste ici, histoire de manger parce que j'ai la dalle. J'ai pas mangé hier soir parce que... Qu'est-ce que je faisais hier soir? Ah oui, je faisais tous mes papiers justement pour ma voiture et tout. Bref, ça m'a pris un moment. Et donc voilà, je vais arrêter de parler et je mange et après on va chercher les chevaux. Regardez-moi cette petite chose ici. Ça va mon quitouche? Ouais. J'ai mis un plaid pour rien salir, enfin au maximum vu que c'est une voiture de prêt. Et puis voilà. Et là, les chevaux, bon, je vais sortir au réo dans 10 secondes. On a ouvert le grand pré. Du coup, clairement, ils ne sont pas devant. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a quelques petits changements au pré. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais en gros, enfin, on a pas moi du tout. Hein. Mais le propriétaire du pré, Lucien, a fait des parcelles pour qu'on puisse gérer un petit peu plus les chevaux avec la saison, l'herbe, etc. Parce que vous savez bien que ce soit Saphir, Mirabelle ou bah, Sanka, ils étaient gros comme des tonneaux au beau jour. Donc là, on aimerait éviter que ça parte en fourbure, etc. Donc il y a plein de petites choses qui vont être nouvelles. Je vous raconterai, je mange et puis on va voir les poneys. Et il commence à faire froid alors que c'est pas prévu. Trop bon. Vous voulez voir mon spot là? Je suis assise dans la sellerie sur une chaise, la pizza sur les couvertures, devant Squeezie. La base. Bon, allez, j'ai fini de manger. On va aller chercher les poneys. Et vu l'heure, il y a possibilité que Quantum soit en train de pioncer. Et de faire la sieste. Je pense qu'ils sont à droite. On va voir. Oui, mais Quantum ne fait pas la sieste. Ils sont tout au fond. Comment vous dire qu'avec toute cette herbe, ils vont devenir obèses. Bah surtout ça fout quoi. Quantum, je connais pas encore son métabolisme, mais lui là-bas. Coucou le bébé! Ça va? Allez, il va emmerder Oreo. Ça, mon grand? Ouais. Où tu perds tes poils? Eh ben ouais, là c'est la grosse mue. Regardez, il est en train de s'éclaircir parce qu'en gros en été, il est plutôt B, enfin, plus clair qu'en hiver où il est noir. En gros, c'est un smoky black. Voilà, vous savez tout pour sa robe. Un petit chat. Oui, bien sûr. Mais quelle terreur. Allez, lâche. Merci. Et mon mignon, comment il va? Vas-y, que ça mange, hein. Comment on va faire avec ton corps d'athlète, là? Tu vas devenir une barrique. Tu vas devenir une barrique, Milou. Tu veux jouer? Ah, mon petit chat. On va aller travailler un tout petit peu, quand même. Je crois que pour une fois, je vais faire ma feignasse. Il y a un tronc là-bas, je crois que je vais monter dessus pour grimper sur sa foue et rentrer au box à cheval. Je suis un peu fainéante aujourd'hui. Je viens de manger la pizza en plus, alors pardon Minou. Voilà, merci les bouts de bois. Ça me permet d'être en chouille fainéante. Je sais, c'est pas bien. Mais promis, après moi aussi je vais travailler. Bah oui, je sais pas ce qu'il fout Quantum là. Allez. Hop, il va arriver à fond la caisse, c'est sûr. Bon, à mon avis, ça fout, il va aller boire direct. Parce que vu qu'il est dans le grand pré, il doit pas venir toutes les 2 secondes boire.
Et ben il me fait mentir. Il m'a emmené jusque-là en fait, pour rien. Ok. Ah, si quand même. J'ai bien cru qu'il allait me faire mentir. Et surtout qu'il m'avait emmené là pour rien. Un petit cheval. Ouais, là, alors on est jeudi. Et il y a des chasseurs. Genre, moi je croyais que la chasse c'était uniquement le dimanche. Enfin, le week-end. Apparemment, je me trompe. Je suis pas très renseignée sur le sujet, ça m'intéresse pas tellement. Mais du coup, je crois qu'il y a une battue. Il y a v'là les chasseurs, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, toi aussi. Photo de miniature. Autour du nain de bois. Et nous, ben on va pouvoir aller commencer à brosser quand même. Allez, viens, Minouche. Là, comme vous le voyez, c'est un peu compliqué parce que y a les chasseurs qui sont juste derrière une allée au pré. Du coup, il y a tous les chiens qui aboient et tout, donc les chevaux sont un peu agités. Mais voilà, du coup, là, je vais quand même sceller et on va partir. Regardez, j'ai mis mon trop beau tapis Hergé vert sapin. Et en plus avec la selle de dressage, comme quoi effectivement le tapis mixte, ça passe sous la selle de dresse. Ça fait pas trop bizarre. C'est cool. C'est cool. Bon, là les chasseurs, ils sont juste à l'entrée du pré. Du coup, lui il est chaud comme un gardon. Allez. Bon, là ils sont tous en train de se barrer les chasseurs. Ça fera déjà ça en moins. Ils étaient dans ce pré là. Bon, du coup, on est parti là et ça fout et chaud patate. Hein. Il est chaud, chaud, chaud. On verra en carrière. Je pense qu'il va être un petit peu moins chaud. On va pas se mentir. Et voilà. Ah bah maintenant, on se prend les travaux. On a même un feu rouge là-bas, Minou. C'est un feu. Avec l'âge, tu deviens un peu intelligent, Minou. Oui, allez. Oui, il va passer au rouge, attention. C'est bien, très bien. Normalement, voilà, quand il a peur, ça se passe comme ça. Mais on y passe. Ça ronfle un peu et ça y va. T'as pas eu peur des ailes d'ange pour les photos, par contre, de choses stupides. Ça, et maintenant, il va être neuneland. Il va souffler pour rien du tout. Bon, allez, c'est bon. On est arrivé dans la carrière. Et puis voilà, on va travailler un petit peu sur le plat. Je sais pas si je vais arriver à faire ce que je voulais. Et de base, je m'étais dit qu'aujourd'hui, après la détente, je faisais que du sans étrier. Mais pour rien vous cacher, je suis un peu feignante là-dessus. Et souffrir, c'est pas trop mon truc.
Même si des fois ça fait du bien, on va voir. Just trust me. Feel like tonight, I'll find a way. I'm stuck inside this place. Feel like tonight, all the things I say, I'll make them run away. But I'll keep trying. But if you're lost, but girl, you will find. I'm glad that I found you. I'm more than you thought. Not worth half your time. Just trust me. Feel like tonight, I found my way. I'm stuck inside this place. Feel like tonight, all the things I say, I'll make them run away. Allez, on rentre. Il était génial. Vraiment, mais quel plaisir, quoi. Bon, par contre, je sais clairement pas ce que vous aurez comme image parce que j'ai posé le téléphone comme vous l'avez vu. D'ailleurs, là, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Donc voilà, ce sera la surprise niveau image. Mais franchement, il était si bien. Et vous êtes aussi beaucoup à me demander mon avis sur le nouveau mort. Mais écoutez, pour l'instant, je le trouve fantastique. Il tient ses engagements, à savoir meilleur contact, etc. Je peux prendre du vrai contact maintenant avec ce mort. Donc faut voir notamment lors des cours de saut comment ça sera et en sautant. Mais non, pour l'instant, ok, c'est un investissement parce qu'il m'a coûté 90 euros. Mais pour l'instant, j'en suis très contente. Donc j'espère que ça continuera. Ça y est, on est revenu au pré. Donc là, je vais déceler. J'ai retrouvé Boubou qui était resté là et qui a retrouvé son ballon. Et enfin, qui n'est pas d'ailleurs son ballon, un ballon qu'il a trouvé. Et je vais vous montrer aussi parce que je vais lui mettre de l'argile sous ses fourchettes. Je vais vous expliquer après. Oreo, lâche. Non. Attention, Quantum va arriver à fond, je pense. Ah, on a retrouvé le bébé. Ça va mon petit chat? Mon petit piou piou. Petit coup de snapping. Ça va? Ça va mon grand? Ouh, qu'il est mignon. On va filer quand même deux petits bonbons à sa fou. Laisse-moi ce chien tranquille toi. Tiens mon chat. Thank you.
Ça va mon chat? Et si on enlevait les protèques, ça serait pas bien ça? Non, regardez-moi cette petite tête de si mignon là. Encore beaucoup trop pris. J'arrive pas à détacher. Je veux mes gants. Allez, la cantine est prête. À table. Saphir, tu manges dehors comme d'hab. Oui, oui. C'est le verre. Et Quantum, viens. Ici. Bon appétit. Petit piou-piou. Et Saf aussi, il mange tranquillos. Bon, écoutez les loulous, je vais terminer la vidéo ici. Je vais juste recouvrir Saphir avant de partir. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.